La police thaïlandaise est à la recherche d'un suspect après l'attentat qui a fait une vingtaine de morts hier à Bangkok. L'homme serait originaire du nord-est du pays et membre d'un groupe opposé à la junte au pouvoir. Il serait apparu sur les images des caméras de surveillance. Cette attaque est la pire jamais commise, selon Prayut Chan-o-cha, le chef de la junte et premier ministre depuis le coup d'État de mai 2014. L'attaque a été commise au moyen d'une bombe qui a explosé à l'intérieur d'un temple hindouiste dans le centre touristique de la capitale. Plus de 120 personnes ont été blessées. Je ne suis pas sûre que je serais venue ici si ça s'était produit avant que je ne réserve mon billet, avoue ce touriste américain. Maintenant que je suis là, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre mon séjour, même si c'est quelque chose auquel il faut faire face. Au moins 8 étrangers, dont 3 Chinois, figurent parmi les personnes tuées dans l'attaque. La police n'exclut ni la piste de la politique intérieure, ni celle du conflit relatif aux 109 Ouïghours que la Thaïlande a expulsés en juillet en Chine.